Et yo, tout le monde est bien rendez-vous avec les jeunes leaders. Tout le monde est en train de se faire des choses. Tout le monde est en train de se faire des choses. Tout le monde est en train de se faire des choses. Tout le monde est en train de se faire des choses. Tout le monde est en train de se faire des choses. Tout le monde est en train de se faire des choses. Tout le monde est en train de se faire des choses. Tout le monde est en train de se faire des choses. Tout le monde est en train de se faire des choses. Venez nombreux, ça sera très chaud. Le Molodo leader pour la toute première fois en plein Bujima et Nastad. Oya, Toko Gumba Yango, Toko Niefuna Yango, Toko Kata Yango, Toko Kouai Sastad et Kassan, c'est la toute première fois Molodo et Dera qui t'en a dans Bujima. Angaye, Angaye. Toko Kalara Bizo Tega Maraka na 3000 francs à Pamba, Pelouse et Tega Mana 10000 francs. VIP fait on a $20 à Pamba avec le jeune leader Molodo et Dera Mboka. Namoko Mangera officiel Nogosarana, l'homme qui est dirigé, mais moi tu décides de nous s'accaprocher. Nous attendons le moucher de budget, trois fois maintenant pour être des papiers. Et même moi, tu as les meilleurs comédiens afro-congo, leader à la comédie afro-congo. Bisous ton asphyxie, n'a bisous afro-congo, y'a Sata. Viens en Europe, tu repères ça d'une jambe, d'une Bonjour la famille, c'est toujours Guilmas Chronique de Net TV. L'homme des improvisations vient en Mboujimaï. L'homme de créativité, l'homme de la qualité artistique qu'on appelle Inosbi, autrement dit Bébé Tassion, le roi de la musique urbaine aujourd'hui na Congo, il vient en Mboujimaï. L'homme qui sait communier avec le public. Le premier Congolais à se produire au Beverly Hills, Californie, Hollywood. L'homme qui a fait des tournées américaines. Il a joué de festival à festival. Inosbi. Aujourd'hui, il vous amène le spectacle inédit en Mboujimaï. L'année ici a commencé avec beaucoup d'ouverture musicalement. Je vais parler par là. Avec la présence d'Inosbi à Guinée, d'un concert à Guinée. Retour, il a fait Bukavu, il a fait Kindu. Aujourd'hui, il est à Mboujimaï. Les tigres de Mboujimaï, les mélomanes de la bonne musique, vous avez un jeune frère qui a des talents inexplicables, qui a de la musique vraiment dans son cœur, qui a de la qualité de se produire, de se présenter devant son public. L'homme qui sait communier avec le public, l'homme qui a un tube planétaire au Congo, l'homme qui a démystifié les vies sur le YouTube, l'homme qui a démystifié les festivals, l'homme des carnavals, il sera à Mboujimaï ce 9 avril.
L'homme qui a de la musique éducative. L'homme qui sait quoi donner à la jeunesse. L'homme qui sait lire les temps et les circonstances. L'homme qui a boudé Macron. Il sera en Mboudjimaï. Avec de la bonne musique. Bana Mboudjimaï. Vous les habitants de Mboudjimaï et les alentours. Les stades de Mboudjimaï doit cracher le monde. Aujourd'hui, on a déjà 30 000 billets vendus. 30 000 billets vendus. L'homme qui nous a donné Yopé Bapé Sayo, il va jouer la chanson à live. Vous-même, vous savez que Inosbi, c'est un musicien qui reproduit les chansons comme elles sont. Les chansons y a dans le studio, c'est comme ça qu'il va les reproduire à live. Il n'a pas besoin d'autotune, il n'a pas besoin de n'importe quoi pour reproduire ce qu'il a fait dans les studios. Inosbi, c'est un musicien complet. Azoye Labino spectacle, Moutoya qui n'a pas de Zemboulokola, Hollandi, Akope Selabino, Mousselou, la chanson de tout l'État, Mousselou. Akope Sabino Maboko Milaï, il viendra avec des chansons comme Kiss, Rebo aussi, en tout cas, Mère Nabango, Maman Nabango, Aleki Abango, Akozala, elle sera au rendez-vous. Rebo Chulo, la dame, la femme de Inosbi, la femme, une chanteuse qui a révolutionné la musique féminine. Aujourd'hui, sans Rebo Chulo, on ne peut pas parler de la personne la plus suivie dans la musique congolaise féminine. La femme la plus suivie, la plus écoutée de la communauté congolaise aujourd'hui, c'est Rebo Chulo. Elle sera accompagnée de Inosbi. Donc, spectacle Kuzala Matata. Les gens qui ont déjà suivi Inosbi et Rebo Chulo sur le même podium, ils connaissent déjà la réalité, ils connaissent ce qui va se passer, ils connaissent ce que le podium va péter, ils savent ça. Donc, tous ceux qui aiment Inosbi, tous ceux qui suivent Inosbi, tous ceux qui aiment la bonne musique, et ceux qui veulent aussi soutenir surtout les jeunes frères qui a le vent à poupe, ne manquez pas les rendez-vous. Puisque les rendez-vous pareils ne viennent pas chaque jour. Inosbi n'a jamais été en Mboudjimaï. Et il ne sait même pas quel jour il va retourner en Mboudjimaï. Alors, le souvenir qu'il va vous laisser au podium, il va déplacer les Congo au Kasaï. Il va déplacer les Congo en Mboudjimaï. Nous allons vibrer. Pardon. Vous allez danser au rythme d'Afro-Congo. L'homme qui a imposé un rythme spécial dans la musique congolaise. Aujourd'hui, vous allez savourer la chanson, la musique, les sons, les rythmes qui n'a jamais existé dans la musique congolaise. Imposé aujourd'hui par votre artiste le plus doué de la génération. Il s'appelle Inosbi. Moi, je l'ai toujours appelé Bébé Tassion. On a l'obacité. Si tu n'as pas encore acheté ton billet, tu ne vas pas voir Inosbi, tu vas manquer Rebo Chulo, tu vas manquer les spectacles, tu ne vas pas écouter de la musique. Il est temps. Bon, l'emba na ba musique ya buka loketo. Le loto komi na musique éducative. Musique éducative wana ezaka ka epa ya jeune artiste na biso oto yebi na kombo ya Inosbi. Soki azo yemba, azako bwaka, bozoyo ka niance, banzembu na ye, soki boyoki yango na ndenge ya kapela, c'est un homme qui se accorder les sons. Accorder les notes, c'est un homme vraiment né avec la musique. Yamo na zako yebisabino naba oyo boza koyeko la musique nabo baza déjà na nzela ya musique na niveau ya Mboudjimaï wana bokende boyoka école bokende na école ya Afro Congo boyeko la rythme ya sika faswa koyemba ya sika faswa ko salela makambu na kilelo. Les données ont changé. La façon de faire les choses a changé également. Aujourd'hui, on ne parle pas de beaucoup de choses. On ne parle pas d'autres choses. On ne parle que d'une seule chose qui n'est que Afro-Congo. On a l'obacité.
partagez vidéo, allez sur les plateformes de téléchargement. N'oubliez pas d'écouter, de streamer des chansons comme Mousselou, les chansons comme Mboko Milaï, la chanson comme Kiss et beaucoup d'autres. Moi, je suis fan de la chanson Mir, c'est Rumba. Je ne sais pas comment Inosmi n'a jamais même eu le temps de chanter la chanson là à live. Les chansons comme Rum, Mir, une très belle chanson. Une chanson qui a les fonds, qui a les textes, qui a l'âme. Mais Inosmi a négligé la chanson comme Mir, il ne la chante plus. Les chansons comme Tcha-Tcha, les chansons comme Habibi. Moi, j'écoute tous les répertoires de Inosmi. Je connais toutes les chansons de Inosmi. Mais je vais faire appel à Inosmi. Des fois, de chanter les chansons, les anciennes chansons, les anciens succès, ça va nous rappeler aussi des bons moments. Par exemple, les chansons comme Pola. Ça fait plus de 10 ans. On a besoin de telles chansons dans des spectacles. Puisque ce sont des hits, ce sont des tubes. Partagez la vidéo. Abonnez-vous massivement à la chaîne ici de Chronique Dynastie TV. Moi, Gilmas. À la prochaine. Bye.